Imaginez 6 Olympiades, 12 médailles encore à Tokyo en or et en argent. Elle est à Lyon avec justement son cheval olympique de Rio d'il y a 5 ans maintenant. Merci, merci à Isabelle Vert de nous accueillir encore pour ce clinique de la Société Hippique Française aujourd'hui avec les tout meilleurs des jeunes chevaux de la grande semaine de Fontainebleau. Le premier à venir nous rejoindre, regardez ce magnifique gris, Météor de Massard. C'est un cheval inscrit au studbook du cheval de sport portugais. C'est un fils du regretté Don Juan de Hus et de Tempestade JGB par Mulato. Une lignée maternelle lusitanienne, bien évidemment, puisqu'il est issu de l'élevage de Sylvain Massa, qui en reste aujourd'hui encore propriétaire. Et nous avons le plaisir d'accueillir en selle monsieur Nicolas Giraud. S'il vous plaît, Lyon, encore des applaudissements pour ce premier couple, Météor de Massa et Nicolas Giraud, quatrième de leur finale il y a quelques semaines seulement, et qui vont pouvoir profiter de l'expérience d'Isabelle Vert avec vous, ici, sur la carrière Equitasport. So, good morning, everybody. Hello, hello, hello. Yes? No, yeah, now it's working. So, good morning. A very warm welcome from my side. Thank you being here, and it's a pleasure to be back after 2 years and to be here on this great show. So, I hope we have a nice morning with four nice horses. And like always, so in between, I didn't learn French. I'm sorry. I like always, Georg Finke will translate, and we will try to give some ideas to the riders and to you. Thank you, and please, Georg. Yeah. Oui, merci Isabelle. Bonjour, messieurs, dames, de notre part, bienvenue. Et c'est, ça fait toujours un grand plaisir d'être ici, nous deux, pour présenter les quatre chevaux. Ce matin, les jeunes chevaux, 5 ans et 6 ans. Et on commence avec Nicolas et Météor de Massa. Oui, on voit un 5 ans étalon, très très beau, un étalon. Oui, une bonne bouche, le bon contact, le cavalier a un bon contact et la locomotion très bien comme ça. Oui. Et pour travailler déjà un peu le trot, Nicolas, fais quelques transitions. Ça veut dire que tu joues un peu avec l'amplitude, tu gardes le contact, et tu joues un peu avec l'amplitude, tu raccourcis les foulées et tu... Voilà, mais dans le rythme, doucement. Voilà, un peu plus l'arène extérieure. Voilà, comme ça. Déjà, le cheval est le plus calme dans le rythme, voilà, pas trop rapide. Changement de pied, changement de main, s'il vous plaît. Et des transitions. Continue avec des transitions. Voilà, reprends le cheval un peu et avance doucement dans le rythme du trot sans s'accélérer, sans changer la fréquence. Un peu plus de réflexion et prends plus d'espace pour tourner. Pas trop serré. Oui. Jambes intérieures, un peu plus d'inflexion, montre-nous un peu l'encolure, ok, et plus calme, voilà, plus calme, baisse un peu la fréquence, voilà, et tu as senti, hein? Le cheval a changé la fréquence, il a commencé un peu à travailler dans le dos, la connexion entre postérieure, antérieure et la main, ouais. Et le moment où tu as fait la transition, tu as repris le cheval, une petite badine, pour activer le postérieur intérieur. Voilà, baisse les mains, laisse les mains basses, voilà. Travaille uniquement avec le poignet, pas avec la main. Voilà. Changement de main encore, voilà. Que le cheval peut tout petit peu répondre à la main. Voilà. Calme dans les mains, pas trop rapide, tourner. Hein? Jambes intérieures, voilà. Calmer les foulées, calme. Voilà, transition. Et après,
c'était bien repris, mais après tu recommences à activer le posterior antérieur. Reprends, baisse les mains. Voilà. Reprends. Et maintenant, voilà. C'était très visible. Bien. Et maintenant, fais les transitions. Trouve un angle à l'autre. Sur le cercle orbilieux et la, sur la piste des transitions. Trouve la bonne fréquence et l'équilibre du cheval. Voilà, et le même travail qu'en l'autre. Bien. Un peu plus en avant, la fréquence est bonne, que tu arrives comme avec à la jambe intérieure. Voilà. Et plus que de la reine intérieure, et moins la reine intérieure plus la reine extérieure. Voilà. Par à la gauche, flexion droite. Et on l'avance. Bien. La pierre énergie. Voilà. Un peu plus activé. Voilà. Et folie lente. Ça, c'est le but. Les folies longues. Ok. Au trot, les transitions plus souvent. Et voilà. Plus avec la reine extérieure, les ailes extérieures, que de calme la fréquence. Calmez et reprends. En avant. Tac. Voilà. Un peu plus porté, on dit, dans la transition. Dans ma galop. Ok, galop, reprends le galop. Rien extérieur. Hein? Et avance la main à l'intérieur, toi, vers la bouche. Voilà. Contrôle avec la reine extérieure. Ah, bonne fréquence. So. Reprends doucement, raccourcis les foulées, mais garde la fréquence. Uniquement avec la reine extérieure. Yeah? Ok. Et sort. Contrôle avec la reine extérieure, contrôle. Et très souple à la reine intérieure. Oui, garde le rythme, c'est bien avec ta jambe intérieure. Extérieur, reprends. Rythme. Ok. Changement de main. Oui. Fais les transitions un tout petit peu plus calmes et dans l'équilibre. Prends ton temps. Ok. Il faut apprendre à se porter un peu plus pour son équilibre dans la transition. Regardez le bon tonus pour la transition. Oh, voilà. Calme. Voilà. Tic. Souple à l'intérieur avec la main intérieure, voilà. Contrôle à l'extérieur. Souple. Oh. Ça c'est bien. Le galop il est déjà bien cadencé comme ça. Et on va bien, le cheval galope plus vers le haut. Baisse les mains. Ok. Et garde la fréquence, garde le rythme. Voilà. Et reprends le galop. Tac. En avant, contrôle à l'extérieur. Plus, un peu plus, tac. Oh. Hein? Reprends, garde la fréquence, jambe intérieure dans le rythme. Et le cercle un peu plus petit, commence à faire plus petit le cercle. Avec la reine extérieure, avec la reine droite. Intérieure. Écoute. Par à la droite, jambe intérieure. Oh. Reprends, rassembler un peu. Voilà. Un tout petit peu les hanches dedans, un tout petit peu. Rien extérieur, voilà. Voilà. Rassembler, plus sur place, essaye. Parade courte, et sort, c'est bien. Avant, tu perds la fréquence, le rythme du galop, tu sors, tu reprends la vitesse et tu recommences. Et recommence, reprendre. Voilà. Extérieur, jambes. Parade. Souple à gauche, parade à droite. Calme la main intérieure, calme. Ou calme avec la main intérieure, calme. Voilà. Et reprends. Ah, yeah. C'est bien.
Good, calme, baisse les mains. Good. OK. Très bien. Là, elle a bien réagi, elle a bien vu la transition, la transformation de cheval, ça me fait. OK. Calme avec la main. Yo, good. Et ça. Mais garde le cheval compact quand même, hein, sans lâcher. Le trot, et comme ça, le garrot qui commence à monter, voilà, bien.
Merci, Monsieur Georges Funke.